Et voici Florence Manuel. Salut tout le monde. Hello. Je vous préviens, je suis d'une humeur de dog. Quoi, t'es de mauvaise humeur? Non, pas du tout, j'aboie, je bave et je renifle des culs. Ah, non, c'est vrai. Je suis vénère. À Lille. Je suis vénère. J'ai été... Oh, merci Daniel. Cette petite quinte de toux comme ça dans ton rire me touche beaucoup. Le rire du tuberculeux. Non, c'est vrai, je suis vénère. J'ai été chez le coiffeur hier, il m'a raté, j'avais dit juste les pointes. C'est vrai. Il s'est emballé, il m'a dit, ça vous plaît? Ben ouais, super, j'ai plus qu'à coucher avec des Allemands. Donc c'est ma dernière chronique. Oui, je sais, déjà, que voulez-vous, le temps passe vite quand on s'amuse. Ah, je dirais jamais tous ces moments passés ici avec vous. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Hein. J'ai un peu l'angoisse du vide. J'avoue que les commentaires YouTube vont me manquer aussi. Voilà, surtout ceux sur mon physique. Salut, je suis Dora. Tu peux m'aider à trouver l'endroit où je t'ai demandé ton putain d'avis? Ah, ça va être bien ces vacances. Ça va être bien. Tu parles. J'ai horreur des vacances déjà parce que j'ai super peur de l'avion. Enfin, ça c'était avant d'aller voir ma mère et son mari marocain et que je découvre les routes au Maroc. Disons que les routes au Maroc, c'est presque les mêmes qu'ici, sauf que les nids de poules, bah, c'est pas une image. Voilà. Bref, mon sujet du jour, des peines légèrement alourdies, voilà ce qui a été requis lors du procès de France Télécom en appel. France Télécom, en appel, vous l'avez? La nouvelle n'a visiblement pas plu aux anciens dirigeants de la boîte qui se seraient exclamés Orange au désespoir. Oui, je fais des jeux de mots. J'en ai plus rien à foutre. Vraiment. Souvenez-vous, hein, dans les années 2000, il y avait une vague de suicides chez France Télécom suite à des faits de harcèlement moral. Alors, pas besoin de détails, le harcèlement moral, c'est pas aux collaborateurs de Nagui que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est. En faisant des recherches sur cette histoire, je suis tombée sur des propos de l'ex-PDG de France Télécom, Didier Lombard, dont le but était de restructurer l'entreprise à moindre coût. Comment? Bah, en poussant les employés. Hein? Non, pardon, la phrase n'était pas finie. En poussant les employés à la démission. Alors, c'est vrai, le type, en 2004, soit avant les premiers suicides, il avait quand même déclaré ceci. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre. Non. Et si. Aïe. Voilà, les anciens boss de France Télécom ont évidemment exprimé des tas de regrets, entend te dire qu'ils sont aussi crédibles que Vladimir Poutine en tongue. Alors, cette crise, elle avait fait évoluer certaines pratiques en termes de gestion des ressources humaines. Alors déjà, c'est quoi ce nom? Ressources humaines, on dirait le contenu d'un Tupperware dans le frigo d'Hannibal Lecter. On pourrait pas trouver un nom plus sympa pour parler des employés, je sais pas, moi genre les fifous, ou un truc comme ça. Malheureusement, le harcèlement au travail existe toujours, et avec la crise du Covid, on a vu apparaître le harcèlement au télétravail, hein, c'est dû à la fermeture des écoles. On les aime, les enfants. J'ai vu un reportage sur des violences psychologiques infligées dans une entreprise, il y avait de ces témoignages. Un employé à qui on ne parle simplement plus, à qui on ne dit pas si oui ou non il est réengagé, à qui on impose des horaires à la con ou des tâches abrutissantes. Le tout, bien sûr, accompagné sur des propos bien rabaissants sur la fin. L'amour propre du gars, il était enfoui tellement profondément qu'on pouvait le dater au carbone 14. Un des collaborateurs parlait de sa bosse qui, devant les autres employés, lui hurlait dessus. Alors, je sais pas c'est quoi le problème de cette meuf, mais moi, je dirais rien qui ne puisse être résolu par un bon 14-15 cm. C'est horrible. Il y avait de ces histoires, des boîtes où dans la chaîne alimentaire, l'employé est juste en dessous du trombone, tu vois. Et on leur demande d'avoir les mêmes propriétés. Il faut pouvoir se tordre dans tous les sens. Impossible de retrouver sa forme initiale. Bon, bien sûr, dans le reportage, ils montraient aussi des employés complices. Je te jure, le patron, il s'est tellement fait lécher le cul que je suis sûre que son anus, il a perdu deux teintes. Non. Alors, certains managers se défendaient en qualifiant leurs employés de trop sensibles. Et c'est vrai, les paroles, elles n'ont pas toujours le même impact en fonction des gens. Prenez l'interjection « oups », par exemple. Clairement, elle ne te fait pas le même effet dans la bouche de ton facteur que dans celle de ton chirurgien. Oups. Mais il y a quand même des gens avec des problèmes d'ego. Hein. Il y a des gens, voilà, on dirait, ils ont été fabriqués qu'avec des restes. C'est pas des humains, c'est des bifis. Voilà. Et même ici, chez France Inter, alors je donnerai pas de nom, mais enfin, il y a un duo assez carré, pas toujours cash. Hein. Ce qui m'a frappé dans ce reportage sur le harcèlement moral, c'est que même avec toute l'empathie du monde, on finit par se demander pourquoi finalement ces gens acceptent d'être traités comme ça. Hein. C'est comme s'ils se disaient qu'ils sont tellement nazes qu'ils retrouveront jamais de place ailleurs, que les patrons leur font une fleur en les engageant, alors que souvent c'est l'inverse. Ils ont du talent. Tu vois, le manager dans sa journée, il te pondra rien de mieux que son étron du matin. Et finalement, est-ce qu'on ferait pas tous et toutes un peu le jeu de ceux qui nous traitent mal? Et si on arrêtait simplement d'avoir peur et qu'on commençait à l'ouvrir? Alors je me suis fait voilà, cette réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Finalement, le pouvoir, ce sont toujours les autres qui te le filent, un peu comme les MST. Allez, ciao les amis. Merci.